La famille de Meghan Markle continue de s'opposer au mariage qui l'unira au prince Harry le 19 mai prochain. Critiques, accusations et autres mauvais souvenirs. Les membres de sa famille ne semblent pas conquis par la jeune femme. Dernier tacle en date, une lettre de son demi-frère, Tom Markle Jr., âgé de 51 ans, publiée par In Touch où il demande au prince Harry d'annuler le mariage. L'homme ne mâche pas ses mots qualifiant l'union entre sa demi-sœur et le prince de plus grosse erreur dans l'histoire des mariages royaux. Ce n'est pas trop tard. Meghan n'est pas la bonne personne, de manière évidente. Plus le temps passe, plus il devient clair qu'il s'agit de la plus grosse erreur dans l'histoire des mariages royaux. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voyez pas la vraie Meghan, celle que tout le monde voit, écrit-il aux princesses. Le frère de Meghan explique quelques lignes plus loin combien il se sent consterné par le fait que la future duchesse n'a invité aucun membre de sa famille du côté paternel. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas invité sa propre famille. Vous et votre famille royale devrez mettre fin à ce mariage avant qu'il ne soit trop tard, continue-t-il avant de conclure, j'aurais pensé qu'un mariage royal aurait rassemblé une famille déchirée mais je me rends compte que nous ne sommes que des parents éloignés pour Meghan. Le 19 avril dernier, Thomas Markle Jr. s'était confié auprès du Daily Mirror et affirmait déjà ses regrets, elle a vraiment oublié d'où elle vient. Peut-être que sa famille américaine, quelconque, est une source d'embarras pour elle parce que nous ne sommes pas producteurs ou réalisateurs. Elle joue le plus grand rôle de sa vie. Elle agit de manière fausse. Quand elle a rejoint Hollywood, elle est devenue une autre personne. Il ajoute, je ne suis pas amer, juste déçu. Si est-ce blessant compte tenu du fait que nous avons été tellement proches à une époque. On your